Bonsoir à tous. Voilà, je suis Vincent Pavant, membre du Conseil scientifique, et j'ai le plaisir de tous vous accueillir ce soir pour déjà la cinquième, effectivement, le cinquième live du Conseil scientifique indépendant, parce que ça s'oppose évidemment au Conseil scientifique gouvernemental. Et donc, ce soir, nous aurons le plaisir d'accueillir Emmanuelle Darle. Donc, Emmanuelle. Donc, maîtresse de conférence, informaticienne en fait, qui va nous parler ce soir de l'année 2020, la première année où on a plus de morts en dehors à l'hôpital qu'à l'hôpital, effectivement. Donc, bonsoir Emmanuel, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Vincent, merci. Voilà. Nous allons également accueillir le docteur Eric Mena, que vous connaissez tous, évidemment. Parler de la prévention donc au temps de la COVID-19. Bonsoir Eric. Bonsoir Vincent, bonsoir Emmanuel, et ravi d'être avec vous encore une fois pour ce live du Conseil scientifique indépendant. Je pense que ça va être encore tout à fait passionnant et très diversifié ce soir. Oui, évidemment. Et puis donc nous aurons également le plaisir d'accueillir Philippe de Charnouze, donc qui va nous parler des retours d'information, donc et avec un acteur oublié pour effectivement cette épidémie de Covid qui est le 15. Effectivement, bonsoir Philippe. Oui, bonsoir à tous. Toujours ravi de vous retrouver pour cette nouvelle soirée. Voilà. Donc, eh bien, en tout cas, on est parti pour comme d'habitude 1h30 avec effectivement des présentations. Donc, il y a Louis qui nous rejoint. Bah, Louis, on ne présente plus, mais bon, il va quand même nous dire un petit bonjour. Bonsoir, Louis. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être tous là pour ce cinquième conseil scientifique, effectivement, sans conflit d'intérêt et indépendant. Donc, voilà, c'est un grand plaisir d'être là avec vous ce soir. Merci beaucoup, Vincent, en plus de présenter. Ça repose un petit peu. Ça permet de tourner un peu les rôles, de mettre moins de pression. Voilà, donc c'est moi qui vais un peu faire le passage de témoin entre les différents acteurs. Et donc, ce que je vous propose, c'est de. Ah, il y a Hélène Banoun aussi qui est là avec nous. Bonsoir Hélène. Et puis, Bonsoir. Bonsoir. voilà, bonsoir Hélène, qui était également en vidéo sur Bas les masques, que vous pouvez aller voir, bien entendu. Un site effectivement qui produit également une information indépendante. Jean-Dominique Michel qui va être aussi avec nous ce soir. Merci Jean-Dominique d'être avec nous. Bonsoir à tous, je suis aux commentaires, donc je me régale déjà. Quelques amuse-bouches pour commencer. Marianne souligne qu'il y avait déjà un pouce vers le bas avant même que ça ait commencé. Il ne faut pas plaire à tout le monde. Pistou, merci de vos émissions qui me rassurent et me donnent une bonne énergie. Pascal, le film de jeudi soir va commencer. Yann nous dit que le variant jamaïcain est avec lui, on espère que ça ira. Elisabeth, les cheveux de Louis nous manquaient. Voilà, de l'humour, de la bonne humeur, beaucoup d'intérêt, bien sûr, et effectivement, des informations qui permettent de donner effectivement eh bien, une autre vision de la situation. Donc, bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir. Ravi d'être avec vous et de ce conseil scientifique indépendant qui a pris en cinq exemplaires, en cinq éditions, une place très importante. Il est très regardé, on en a énormément parlé et ça commence à devenir une véritable voie alternative très intéressante. Et je suis ravi de me retrouver avec vous pour de nouvelles aventures et des conférences passionnantes et surtout notre travail indépendant de donner une information qui va aider tous ces gens autour de nous qui se sentent parfois perdus. Voilà. On y va. Oui, alors une information de qualité, une information indépendante, une information effectivement qui va commencer bien avec Emmanuel Darle, qui va nous parler de chiffres, de statistiques. Voilà, Emmanuel, je te laisse à ta présentation et on se dit à tout à l'heure. Merci Vincent. Je vais essayer de. Ouais, nickel. Donc, bonsoir à tous et merci de votre invitation. Donc, je m'appelle Emmanuelle Darle, je suis informaticienne, enseignante-chercheuse et maîtresse de conférences. Et donc, je vais vous présenter une présentation autour du défaut de soins, voire de l'abandon de soins en 2020 que nous avons mené avec Vincent Pavant, que je ne présente plus, qui est mathématicien et enseignant-chercheur. Si on pouvait passer à la slide d'après. Merci.
Donc, le contexte de cette étude, c'est une tendance des hausses des décès à domicile qui a été constatée par la Fédération SOS Médecins au mois d'avril 2020. Donc ça, c'est un constat en fait qui a été repris dans l'article du Mythe aux statistiques, très bien décrit par Eusèbe Rothschier, qui montre en fait un abandon de soins en 2020. Donc de là, on va pouvoir, je ne sais pas comment on peut faire là, c'est un petit, je vais plutôt partager mon écran si vous me permettez. Bon, on va continuer. Donc les objectifs, ils sont doubles. D'abord, analyser les décès par lieu de décès depuis l'an 2000 et ensuite de pouvoir comparer les variations de décès en tant que sur les décès en milieu hospitalier et hors milieu hospitalier. Donc en fait, on s'appuie ici sur les fichiers de décès de l'INSEE par type de lieu, donc qui sont officiels. Et puis vous avez ici un lien donc qui pointe vers un Google Colab pour aller faire tourner les chiffres, tracer les graphes, récupérer les rapports. Donc tout est transparent. Et donc voilà. Donc l'INSEE en fait distingue quatre types de lieux. Donc d'abord on a le milieu hospitalier, les hôpitaux, les cliniques, les lieux à domicile, les lieux dans les ESMS, donc les établissements sociaux et médico-sociaux, donc les EHPAD et les autres EMS, et puis les autres lieux, en fait, où on ne sait pas trop. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, des problèmes techniques. Ok, je propose que je partage mon écran. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Excusez-moi. Est-ce qu'on voit mon écran ? Non. Voilà. Donc ici, on peut tracer en fait la courbe entre le nombre de décès à l'hôpital et hors hôpital depuis 2000. Donc ici en rouge, je vais m'assurer qu'on voit bien mon écran, excusez-moi, oui, c'est bon. Donc ici en rouge, vous avez en fait les décès en fait en hôpitaux et ici en bleu, vous avez les décès en fait hors hôpitaux. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que la proportion entre les personnes décédées à l'hôpital et hors hôpital, en fait, est constante depuis à peu près, depuis 2015. Sauf qu'en 2015, les choses ont changé. On a une courbe, en fait, on a les deux courbes. Si on regarde ici, en fait, on a les deux courbes qui se rapprochent inexorablement avec une situation critique, en fait, en 2020. Et ça, ça va traduire quoi? Ça va traduire un défaut de soins. Alors, à partir de ça, on a calculé ici un indicateur de défaut de soins qui est le simple rapport, en fait, entre le nombre de décès en milieu hospitalier pour une année considérée et le nombre de décès hors milieu hospitalier. Le tout par moins 1 pour centrer sur 0. Plus on a un indicateur qui est élevé et positif, plus on a un défaut de soins. Donc, de là, on peut tracer la courbe, en fait, qui nous donne le défaut de soins, en fait, par année. Et ce qu'on voit ici, d'abord, c'est deux choses. D'abord, ici, on a quasiment une situation qui est constante jusqu'en 2015. Et puis, à partir de 2015, on a en fait une augmentation. Cette augmentation, en fait, elle est linéaire en fonction du temps. Si en fait, on veut pouvoir formaliser un peu les choses, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un point d'inflexion donc dans la courbe en 2015 et on a une pente, en fait, qui augmente linéairement avec le temps. Typiquement, de 2012 à 2015, on avait à peu près entre moins 24%. En 2015, ça change. Et en 2020, on atteint les moins 3% qui sont en fait un extrémum qui représente finalement le maximum de la courbe. On n'est qu'en 2020. Donc, si on voudrait en fait suivre la continuité de tout ça, on pourrait dire qu'en fait, en 2021, on aurait 2%. C'est-à-dire qu'on aurait 2% de plus du nombre de décès par rapport en hors milieu hospitalier par rapport à ceux qui sont morts à l'hôpital et en 2022, 7%. Alors, je n'ai pas marqué, mais si on fait le calcul, en 2031, par exemple, on serait à 52%. Heureusement, c'est qu'une projection
Et on espère en tout cas que les choses changent. Donc, si on regarde au niveau de la répartition, ici, si on regarde les décès à domicile, les décès en EHPAD et dans les autres lieux, on voit ici qu'on a des pentes, en fait, qui sont décroissantes au niveau du domicile, et on a des pentes, en fait, qui sont pareilles, en fait, ici, décroissantes au niveau des EHPAD. Donc, ça, c'est la situation jusqu'en 2020. Et en 2020, on prend tout l'inverse. On a une augmentation de décès à domicile, une augmentation de décès dans les EHPAD et une diminution dans les autres lieux. Donc ça, ça veut dire quoi? Ben, en fait, ça va traduire vraiment une situation de défaut de soins. Donc, il y a probablement quelques explications derrière tout ça. D'abord, on peut évoquer la loi santé qui a été promulguée notamment en janvier 2016 par Marisol Touraine sous le gouvernement de François Hollande. Ensuite, on a un vieillissement de la population, puisqu'on a des baby-boomers qui arrivent en fin d'espérance de vie. Et plus on a de personnes très âgées dans les EHPAD, plus la probabilité qu'elles meurent est forte. Et puis, on a aussi et surtout des fermetures successives de lits d'hôpitaux, l'apparition de déserts médicaux, parfois dans des zones très rurales. Et donc, tout ça, bien sûr, ça ne fait qu'augmenter une situation qui était déjà critique. Donc maintenant, si on s'intéresse aux choses de façon un peu plus fine, si on regarde par exemple les mois et puis donc par année, ce qu'on peut voir ici, c'est que pour la première fois depuis 20 ans, en mars 2020, on a atteint un pic de décès hors milieu hospitalier qui est largement au-dessus du nombre de décès en milieu hospitalier. Et on a une situation qui est extrêmement proche ici au mois de novembre. Donc ça, c'est des périodes de confinement. Donc, si on regarde ici l'indicateur de soins, qu'est-ce qu'on a? On a au mois de mars un indicateur autour de 11% et au mois d'avril un indicateur autour d'à peu près de 2%, on va dire 1,5-2%. Et au mois de novembre, on a ici à peu près moins 0,5%. Enfin, on est vraiment, on a largement franchi la ligne rouge. Cette ligne rouge qui ne fallait pas franchir, on l'a franchie. Alors maintenant, si on s'intéresse vraiment par lieu de décès. Donc d'abord, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un nombre de décès hors milieu hospitalier, donc au mois de mars, 11%, au mois d'avril, 1,65%. Donc c'est la première fois depuis 20 ans. Et si on regarde la répartition des décès hors milieu hospitalier, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'au niveau des EHPAD, on a ici un pic qui n'est jamais arrivé en fait dans l'histoire depuis 20 ans, qui se situe ici au mois de mars. On a un pic dans des décès à domicile au mois d'avril et un pic au mois de novembre. On a la situation des autres années, mais totalement inversée. Et donc ça caractérise vraiment un défaut de soins, presque même un abandon de soins. Si on voulait vraiment regarder par rapport au mois précédent, eh ben ce grand pic-là, gigantesque, il n'est pas présent les années précédentes. Donc, en mars 2020, on a un pic de décès dans les EHPAD. Combien du Covid-19 réellement, on ne sait pas, puisqu'en fait, le recensement, il a commencé à partir d'avril 2020. Alors, en fait, Santé publique France fait état à peu près de 8 000 morts, en fait, en EHPAD du Covid-19 du 1er mars au 30 avril. Donc, si on regarde, en fait, ça représente à peu près 45% des décès qui sont impactés directement dans les EHPAD. Au mois d'avril et de novembre 2020, on a des pics de décès au domicile. Combien liés au Covid-19? En fait, là non plus, on ne le sait pas, puisqu'en fait, on n'a pas accès aux morts par cause de façon libre. Et ça reste quand même un effet invisible du confinement, puisque ça correspond vraiment à des périodes de confinement. Mars, avril, novembre, c'est des périodes où le gouvernement a confiné. Donc, en conclusion de tout ça, déjà à la base, on a une situation qui était fragile, avec un nombre de décès hors milieu hospitalier qui augmente avec le temps et qui peut être lié en fait à plusieurs causes. Effet de la loi santé, fermeture de lits d'hôpitaux, déserts médicaux et un vieillissement accru de la population dans les EHPAD. Et ça, c'est l'effet direct du baby-boom. Plus malheureusement on a de personnes très âgées, plus on va avoir des décès de vieillesse. Mais par-dessus tout ça,
on ajoute des consignes. D'abord, on ajoute des visites interdites dans les EHPAD. Ça produit des phénomènes de glissement. On ajoute aussi le confinement. On ajoute également des injonctions, celle de ne pas aller voir son médecin, celle de ne pas aller aux urgences en cas de symptômes. Et puis, par contre, on est quand même un peu sympathique, on nous donne des conseils. Préférez la téléconsultation, n'allez surtout pas aux urgences, etc. Soignez-vous avec du Doliprane. Et bien sûr, le résultat de ça, c'est quoi? C'est 2 mois consécutifs en 2020 où on a eu plus de morts ailleurs qu'à l'hôpital. Et ça reste un défaut de soins qui est en fait historique presque, qui est historique en tout cas en France. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation très claire. Donc vous pouvez retrouver sous un Google Collab. Hein, donc je rappelle, le Google Collab, c'est un fichier en fait auquel vous accédez avec une adresse donc URL et du coup qui vous permet d'exécuter vous-même tous les calculs et tous les graphiques qui ont été effectivement présentés par Emmanuel, que vous pouvez du coup récupérer sur votre drive local et donc ensuite vous avez bien la possibilité de revoir un peu tous les calculs, l'origine de tous les fichiers, etc. Évidemment, comme tu l'as dit, Emmanuel, ce qui est terrible dans ces statistiques que tu as présentées, en fait, c'est le fait qu'on a atteint un seuil historique où, pour la première fois depuis très longtemps, en tout cas depuis que les statistiques ont été téléchargées, on est mort plus, effectivement, hors de l'hôpital qu'à l'hôpital. Effectivement, c'est une preuve statistique absolument implacable du manque de soins. C'est pas trop dur, effectivement, de se dire que, eh bien, ce manque de soins il est consécutif à l'avoir des mesures structurelles, c'est-à-dire sûrement la baisse des lits d'hôpitaux, des différentes réformes de la santé et des mesures, j'allais dire, conjoncturelles qui ont été effectivement dispensées donc au printemps sur le fait qu'on a conseillé aux gens de effectivement rester chez eux et de ne surtout pas recevoir de soins et de ne consommer que du Doliprane, ce qui effectivement permet effectivement d'enchaîner sur la présentation un petit peu d'Eric, s'agissant bien entendu et bien de la prévention au temps du Covid-19, puisqu'après tout, bah, si on empêche aux gens de se soigner via effectivement des injonctions, et bien mieux vaut être préparé éventuellement à avoir une immunité bien boostée pour essayer de résister au Covid, donc faire de la prévention. Donc et bien Eric, je te laisse enchaîner sur cette prévention que tu vas nous présenter effectivement ce soir. Ok, merci. Merci Vincent, merci Emmanuel. C'était tout à fait passionnant. C'est dramatique, évidemment, de constater que on a vraiment laissé les gens chez eux mourir. C'est pas tant qu'on meurt un peu plus à la maison, parce que finalement, mourir à l'hôpital, si on est en fin de vie, c'est pas non plus très, très drôle. Mais là, il y a vraiment, dans les chiffres que tu nous as présentés, la preuve que les gens sont restés chez eux sans se soigner. Et c'est un bon relais, effectivement, Vincent, pour parler de la prévention. Parce que la dernière fois, j'ai parlé des traitements et c'est très important que les gens qui sont chez eux consultent leur médecin, appellent leur médecin, mais j'aimerais qu'ils l'appellent même avant pour faire de la prévention. Aujourd'hui, on parle du vaccin et exclusivement du vaccin. Et je voudrais vous montrer quand même des éléments vraiment scientifiques très importants qui montrent qu'on peut faire de la prévention, je vais dire autrement, mais aussi avec aussi beaucoup d'autres choses et peut-être qui seraient prioritaires par rapport à un vaccin. Nous le reverrons dans la conclusion. Alors, le premier élément de prévention, c'est évidemment l'activité physique. Alors, vous allez dire, oui, l'activité physique, c'est bien, tout le monde le dit, on sait bien faire du sport, c'est formidable, enfin bon, c'est quand même pas grand-chose. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins négligent de la conseiller. Ça se développe, puisqu'on a démontré son utilité en cancérologie, mais on l'a démontré aussi en infectiologie. Le sport, c'est avoir une meilleure immunité. Et j'ai mis sport pour simplifier, mais c'est bien l'activité physique. Il n'est pas question de faire du sport très compliqué. Ça dépend bien sûr de votre âge, de votre condition physique et de vos comorbidités. Mais l'activité physique va réduire les comorbidités qui favorisent des Covid graves. Ça stimule les défenses immunitaires et ça réduit l'inflammation globale. Donc, ça peut réellement réduire les symptômes et la gravité des maladies. Et on va voir que pour le Covid, ça a été parfaitement étudié. Et on a une très belle étude qui nous montre que
pour les gens, on a comparé deux groupes, un groupe qui faisait au moins 150 minutes d'activité physique par semaine, c'est-à-dire 30 minutes, 5 fois par semaine. Vous voyez que c'est à peu près ce qu'on conseille en moyenne, 30 minutes par jour, une heure un jour sur deux, de marche active, de jogging, etc., ou du sport qui vous plaît. Eh bien, imaginez que entre ceux qui font 150 minutes d'activité physique par semaine et ceux qui ne les font pas, eh bien, le risque de décès est multiplié par 2,5 chez les inactifs. Imaginez ce que ça veut dire. Si on avait conseillé à tout le monde, si on avait insisté auprès de tout le monde pour bouger, sortir de chez soi, on n'aurait pas 100 000 morts, on en aurait 40 000. C'est ça que ça veut dire. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des personnes en EHPAD, c'est beaucoup plus difficile. Mais en EHPAD, on les a malheureusement totalement confinés. Parce que qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là? On a fermé les salles de sport, les piscines, la plupart des lieux d'activité physique. Les gens, moi je le vois tous les jours, m'ont dit, ils ont pris du poids, ils m'ont dit, bah oui, je suis resté chez moi, je suis resté enfermé, j'avais peur. Et puis de toute façon, mon club de sport est fermé, alors c'est pas drôle. On a confiné les populations et surtout les seniors dans leur EHPAD, interdit de sortir et parfois même interdit de sortir de leur chambre. Imaginez ce que ça peut représenter quand vous voyez que quand on est totalement sédentaire, 2,5 fois plus de décès. Et combien avez-vous entendu de messages de prévention à la télé pour vous dire « sortez, allez bouger ». On n'a pas entendu. C'est dramatique pour quelque chose qui est plus efficace, je le répète, que tous les médicaments et que tous les vaccins. Il n'y a pas une étude qui ait montré une meilleure efficacité que ça. Mais il n'y a pas que l'activité physique. Évidemment, il y a la vitamine D. Vous en avez forcément entendu parler, vous qui écoutez le live du CSI, parce que vous êtes informé, vous vous intéressez, vous cherchez des informations objectives. La vitamine D, on en parle pour les os, mais c'est beaucoup plus qu'une vitamine des os. C'est un rôle dans l'immunité qui est prouvé depuis très longtemps. Ça limite largement les infections hivernales, toutes. Prenez de la vitamine D ou en tout cas, voyez avec votre médecin pour prendre de la vitamine D tous les hivers pour la prévention de tous les microbes et spécialement chez les personnes âgées. En 2017, on avait montré qu'il y avait une réduction nette des infections respiratoires aiguës avec une supplémentation ou quotidienne ou hebdomadaire de vitamine D. Évitez les doses, une ampoule tous les 3 mois. Ça marche beaucoup moins bien. Et dès le mois de mai 2020, l'Académie de médecine concernant le Covid nous a dit qu'il faut absolument prendre de la vitamine D. Elle l'a conseillé, elle s'est fendue d'un rapport pour ça. Personne ne l'écoute, personne ne l'a écouté. Et on a une autre étude que cite l'Académie de médecine qui montre qu'il y a un lien entre les faibles, c'est-à-dire les carences en vitamine D et la mortalité. Là aussi, une mortalité quasiment multipliée par 2 chez les gens qui sont carencés en vitamine D. Imaginez si vous faites activité physique et vitamine D. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, un groupe de 200 scientifiques internationaux et médecins ont demandé l'augmentation de l'utilisation de la vitamine D. C'était publié plein de fois sur Internet. En décembre 2020, la Grande-Bretagne a décidé de donner gratuitement la vitamine D à tous les seniors pendant les 4 mois d'hiver qui restaient. Et nous, en France, rien. Est-ce que vous avez entendu un message sur la vitamine D? Est-ce que vous avez entendu les agences de santé, les experts nous dire « prenez de la vitamine D » Ils n'ont donné aucune recommandation aux médecins. Donc, les médecins ne l'ont pas fait systématiquement parce qu'ils attendaient la recommandation des autorités. Rien du tout à ce sujet. C'est dramatique pour moi. Troisième élément, le zinc. Le zinc, on en a beaucoup parlé aussi parce qu'on a prouvé son activité sur les défenses immunitaires et sur les virus. Parce que le zinc est un antiviral. Ça va tuer ou en tout cas aider à tuer les virus en général. Et on a des études qu'on a depuis assez longtemps qui montrent que au moins la moitié des personnes âgées en institution, ceux qui sont morts le plus malheureusement avec le Covid, vous savez que l'âge moyen de décès c'est 85 ans et donc c'est beaucoup malheureusement dans les institutions et dans les EHPAD, eh bien plus de la moitié de ces gens-là sont carencés en zinc. Or, supplémenter en zinc en prévention divise par 2 le risque d'attraper le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait supplémenté en zinc toutes les personnes qui en ont besoin, on divisait par 2 l'arrivée à l'hôpital. On réduisait de moitié la surcharge de nos hôpitaux et de nos réanimations. Imaginez un petit peu ce que ça représente. Mais pire, regardez, quand les gens arrivent à l'hôpital carencés en vitamine D, leur durée d'hospitalisation moyenne est de 25 jours. Ceux qui arrivent avec un bon taux de... Pardon, pas de vitamine D, de zinc, excusez-moi. Ceux qui arrivent avec un bon taux de zinc à l'hôpital quand ils sont malades mais qu'on doit les hospitaliser quand même,
leur temps d'hospitalisation de 8 jours, 3 fois moins de durée d'hospitalisation. Donc, d'un côté, 2 fois moins de personnes qui arrivent à l'hôpital, et pour ceux qui arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont des comorbidités, etc., et ils ont une infection Covid un peu plus grave, eh bien, c'est 3 fois moins de délai d'hospitalisation. Imaginez comment on aurait pu soulager nos hôpitaux pendant les périodes épidémiques. La mortalité par Covid est plus élevée chez les patients présentant un taux faible de zinc à l'arrivée à l'hôpital. Évidemment, c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il reste 25 jours, certains meurent, beaucoup moins dans le groupe qui n'est pas carencé en zinc à l'arrivée. Ça veut dire que donner du zinc au moment où on est malade, c'est bien, mais il faudrait en donner avant. Qu'avons-nous fait? Avez-vous entendu parler du zinc dans les recommandations officielles? Zéro. Votre médecin a-t-il été informé de ces études? Vous lui demanderez, mais malheureusement, les instances ne l'ont pas fait. Est-ce qu'on vous a proposé une supplémentation en zinc? Peut-être votre médecin l'a fait. Malheureusement, on sait que ça a été fait de façon tout à fait insuffisante. Beaucoup de médecins ont utilisé le zinc dans les protocoles avec l'azithromycine ou l'hydroxychloroquine parce que c'est un très bon traitement en cas de Covid aigu. Mais il faut absolument y penser en prévention pour augmenter nos défenses. Et tout ça est publié depuis un an. Ce n'est pas des choses qu'on vient de découvrir. Donc, je vous parle aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça pendant tout l'hiver chez tous mes patients et j'ai toujours zéro décès dans ma clientèle concernant le Covid. Quatrième élément qui n'est pas le plus connu, qui n'est pas le plus cité, les probiotiques. Les probiotiques, tout le monde sait que ce sont ces bactéries, lactobactéries, qui permettent d'avoir une meilleure flore intestinale, d'améliorer notre confort intestinal, notre transit. Eh bien, de très nombreuses études depuis des années ont prouvé que les probiotiques amélioraient notre système immunitaire. Pourquoi ? Parce qu'une très grande partie du système immunitaire est présente dans l'intestin. Donc, quand on a une bonne flore, on a une meilleure production d'anticorps. Surtout que 80% des anticorps qu'on appelle des IgA qui doivent défendre nos poumons sont fabriqués dans l'intestin. Donc, il est indispensable, si vous voulez vous protéger des infections respiratoires et aussi ORL, d'avoir une bonne immunité intestinale, donc d'avoir une flore équilibrée. Les études sont très, très nombreuses. La seule chose qui nous manque, c'est des études claires sur la COVID. Mais sur beaucoup d'infections virales et bactériennes, on a de très belles études. Donc, l'immunité, votre immunité dépend directement de votre intestin et de votre flore, entre autres, bien sûr. Ça dépend de la vitamine D, on l'a vu, ça dépend aussi du zinc. Donc, si l'immunité est meilleure quand on a une meilleure flore et qu'on prend des probiotiques, forcément, on devrait avoir de bons résultats sur la COVID. On attend des études là-dessus. Mais en tout cas, il a été prouvé que prendre des probiotiques réduisait les infections respiratoires l'hiver. On a quand même un travail très intéressant qui a montré un lien entre déséquilibre du microbiote et l'admission en soins intensifs pour COVID et également le risque de pneumonie mortelle. Donc, on a quand même quelques études sur probiotiques et COVID. On a une très belle étude italienne aussi avec un spécialiste des probiotiques qui vient de montrer que quand on donnait des probiotiques aux personnes âgées, on avait une très nette diminution de la mortalité. Que faire ? Ben, là, on ne peut pas reprocher qu'il n'y ait pas de recommandation parce que les probiotiques, ce ne sont pas des médicaments, ce sont des compléments alimentaires. Donc, on sait qu'on ne fait pas, les agences du médicament ne font pas de recommandations, malheureusement. Et je regrette aussi que les médecins soient parfois mal formés sur le microbiote et sur cette approche et sur l'utilisation préventive des probiotiques. La prise de probiotiques peut améliorer le confort intestinal, le système immunitaire, réduire l'inflammation au niveau intestinal, ce qui est important, et donc améliorer le pronostic des infections respiratoires. Ce type de prévention a forcément sa place contre la COVID-19, même si nous manquons d'études parfaites. La vitamine C, vous en avez entendu parler, vous la connaissez depuis toujours. La vitamine C, c'est un antioxydant, c'est un stimulant immunitaire. Il faudrait prendre entre 250 mg et 1 g de vitamine C. On sait, ça a été démontré que ça diminue le risque de rhume, que ça diminue le risque de grippe, ou en tout cas la durée de la grippe, la durée des symptômes. On n'a pas assez d'études, encore une fois, vis-à-vis de la COVID, mais on peut penser que cette vitamine C qui stimule notre immunité, qui nous aide à lutter contre les virus, doit nous aider à lutter contre le coronavirus. Voilà, on peut prendre la vitamine C sous forme naturelle, 250 mg par exemple, 3-4 fois par jour, ou de la vitamine C sous forme liposomale, une gélule matin et soir. Matin et midi, pardon. Je me permets de vous donner des doses parce que la vitamine C, vous le savez peut-être, on ne peut pas faire d'excès, il n'y a aucun danger à prendre un peu plus de vitamine C, même si votre alimentation couvre déjà une partie de vos besoins.
Donc, en synthèse, 30 minutes d'activité physique, celle que vous voulez, tous les jours si possible, au moins 5 jours sur 7. Un dosage systématique de vitamine D, demandez à votre médecin qu'il vous fasse doser votre taux de vitamine D. Il faut avoir un taux supérieur ou égal à 50 nanogrammes par millilitre pour avoir une réponse optimale. Et si votre taux est trop faible, il faut prendre de la vitamine D, c'est très important. Et quand vous prenez de la vitamine D, vérifiez que le taux arrive, parce que j'ai beaucoup de patients qui disent « Oh, moi, je prends une ampoule pour l'hiver ». Je leur fais doser la vitamine D, elle est effondrée. Une ampoule dans l'hiver, ça ne suffit pas du tout. Une supplémentation en zinc systématique en période d'épidémie ou au moins chez les personnes chez qui on aura fait le dosage également sanguin de leur zincémie, de taux de zinc dans le sang, et là, il faut voir aussi avec votre médecin, des probiotiques pendant toute la saison froide, tout l'hiver, parce que ça vous aidera vraiment. Et puis, on pourra rajouter à ça, alors j'ai oublié, pardon, la vitamine C dans ma diapositive, bien entendu, dont je viens de parler, et on peut avoir des approches complémentaires en fonction de vos attirances, de vos habitudes, ça peut être de la phytothérapie, de l'homéopathie, ça peut être de la relaxation, on a prouvé que la méditation joue un rôle, la cohérence cardiaque, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire en complément de ces 5 éléments pour augmenter votre immunité. Je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère avoir été clair. Voilà, excusez-moi, j'avais une diapo de conclusion. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que le vaccin va vous protéger contre un seul virus et même un seul variant ou certains variants et pas contre tous les variants. La prévention qu'on appelle intégrative que je viens de vous présenter vous permet de vous défendre contre tous les microbes et tous les virus et tous les variants. C'est ça qui est formidable avec ce type de prévention globale. C'est que vous avez vraiment une prévention contre l'ensemble des virus, même s'il y a des variants, c'est la même chose puisqu'on stimule votre immunité, elle n'est pas spécifique du virus. Parlez-en à votre médecin. Merci Eric pour cette présentation où effectivement on a envie de dire quelque chose qu'avait dit à l'époque Castex, peut-être bien que le bon sens rejoint la science ou que la science rejoint le bon sens effectivement avant de courir se faire vacciner, et c'est pas compatible avec le vaccin bien entendu, on peut faire une prévention comme tu viens de le dire. Donc peut-être Jean-Dominique, quelques commentaires sur la présentation effectivement d'Eric que tu voudrais nous faire partager. Oui, très volontiers, présentation très appréciée, merci pour toutes ces bonnes recommandations, des questions très concrètes, un témoignage pour commencer, évidemment malheureux, mais ça existe, notre médecin a refusé catégoriquement de nous donner de la vitamine D et du zinc. Question concrète, faut-il obligatoirement doser le taux de zinc avant d'en prendre? Et puis, est-il préférable de le prendre sous forme de bisglycinate ou picolinate? Demande un internaute assez au courant des choses. Alors, je vais répondre rapidement parce que c'est simple. Bon, je pense qu'il vaut mieux faire doser la vitamine D, le zinc et de pas en prendre comme ça à l'aveugle. Mais globalement, quand on prend, ce sont des compléments alimentaires, ce sont des compléments nutritionnels. Ça veut dire que si on prend la dose qu'on appelle les apports quotidiens recommandés, pour le zinc, par exemple, c'est 15 mg, le risque est quasi nul. On va dire que, à moins d'avoir une insuffisance rénale grave, à moins d'avoir des cas très particuliers, mais si vous n'avez pas de problème de santé majeur, il n'y a strictement aucun risque de prendre 15 mg, c'est-à-dire la dose nutritionnelle. Après, il faut voir avec votre médecin éventuellement si peut-être qu'il vous faut, vous, une dose un peu plus importante parce que vous avez des carences, parce que voilà, et il arrive qu'on donne une dose supranutritionnelle, mais ça, c'est le médecin qui décide. Pour la vitamine D, le risque est également très faible. Il y a quelques précautions d'emploi dans la vitamine D, il faut voir ça avec son médecin. Et si vraiment il ne veut pas vous le faire doser, vous pouvez quand même aller demander au laboratoire. Il y a des laboratoires qui acceptent tout à fait de faire doser votre vitamine D. De toute façon, ce n'est pas remboursé. Ça coûte autour de 12 euros, je crois. Et donc, vous pouvez très bien demander à votre laboratoire qu'il vous fasse le dosage de vitamine D. Voilà, ça c'est pour ces deux-là qui sont peut-être les plus délicats parce que la vitamine C, aucun problème. Les probiotiques, on n'a aucun problème, aucune contre-indication, sauf les cas de chimiothérapie très, très agressive. Bon, voilà, c'est pareil. Je m'adresse là à des gens qui n'ont pas de gros problèmes de santé. Bien entendu, si vous avez un problème de santé particulier, vous devez demander à votre médecin son avis et son accord. Alors, pour le zinc, pardon, on dit que le bisglycinate serait supérieur, mais le gluconate ou le picolinate peuvent être aussi des formes tout à fait acceptables.
Mais comme toujours, quand on prend du zinc, quand on prend la vitamine D, au bout d'un moment, c'est intéressant de doser au niveau sanguin pour savoir si on a des doses suffisantes et pas d'excès. Voilà, tout simplement. Merci Eric. On pourrait peut-être compléter par dire que finalement, beaucoup de ces choses-là se trouvent dans l'alimentation et que finalement, si on mange bien, sainement, sous le soleil pour la vitamine D, en faisant du sport, finalement, on fait qu'une seule chose, c'est renforcer notre immunité. Et quand on voit que les restaurants sont fermés, etc., mais par contre que tous les fast-foods sont ouverts, et je l'ai encore vu aujourd'hui, a été dans les drives avec des bouchons de voitures, allant chercher leur ketchup et leur fast-food. C'est vrai que c'est pas forcément bien pour l'immunité, surtout que peut-être qu'au retour, ils regarderont la télévision bien assis sur un fauteuil. Donc, on a tout faux, en fait. On a tout faux et c'est bien de nous avoir rappelé le bon sens dans l'alimentation, mais on peut être très simple et la simplicité peut être très bénéfique pour notre immunité. Ouais, je voudrais rajouter quelque chose finalement entre la présentation d'Emmanuel et celle d'Eric, il y a une correspondance. Je vois encore arriver à la réanimation des gens qui sont obèses, hypertendus, diabétiques, qui ont des facteurs de risque très importants de développer une forme grave du Covid et qui ont eu des symptômes, qui ont eu un diagnostic qui a été fait par test et chez qui finalement on a dit restez chez vous et ne faites rien en fait. Et ils arrivent à la réanimation 10 jours plus tard avec une saturation à 78 en détresse respiratoire, amenés par le SAMU en urgence. Et ça y est, ils sont dans le mur en fait. Et ça arrive encore tous les jours si vous voulez. Et donc il n'y a pas de réseau de soins en ville. Il y a un défaut de soins qui a bien été montré mathématiquement par Emmanuel et Vincent. Il y a un défaut dans la prévention de la survenue des formes graves de cette maladie. Puis il y a un défaut dans la prise en charge des maladies chroniques de tous ces patients. C'est-à-dire que l'hypertension, l'obésité, le diabète sont des maladies qui se soignent, dont il faut prendre soin au quotidien. Et toutes les choses qui ont été proposées par le gouvernement, en fait, ont fait que renforcer la gravité et le défaut de suivi de ces maladies-là. Je voudrais dire deux petites choses, si vous me permettez, pour ne pas les oublier. Je tiens à la disposition de tous les gens qui veulent contester ce que je viens de dire, les études. De toute façon, elles sont publiques et elles seront sur le site que nous sommes en train de construire pour le CSI. Et je voudrais aussi dire que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt. On l'a dit au départ de façon générale, mais j'ai déjà eu l'occasion de faire un article sur ce sujet et on m'a dit « Ah oui, mais là, il a des conflits d'intérêt avec les laboratoires de produits naturels ou de zinc. » Non, évidemment. J'affirme que je n'ai strictement aucun conflit d'intérêt et comme ces produits de toute façon ne se sont pas brevetés et qui sont en vente libre, vous imaginez bien que n'importe quel laboratoire, n'importe quel distributeur peut vous les proposer. Ce seront des arguments contradictoires qui ne seront pas acceptés. Il y a quelque chose qui n'est jamais soulevé, mais qui sont finalement toutes les façons dont on vit aussi et de quoi on se nourrit au-delà de la nourriture matérielle. J'entends par là finalement, qu'est-ce que vous laissez rentrer comme information en vous? Si vous passez votre vie à écouter des informations angoissantes, à avoir des bandouilles de BFM TV qui vous disent tout ce qui se passe de négatif dans ce monde, en fait, vous nourrissez un stress de fond. Et ça, c'est très connu que le stress est générateur d'un déficit immunitaire. Il y a des études qui ont montré quand on annonce un examen surprise à des étudiants versus un autre groupe d'étudiants à qui on ne l'annonce pas, et ben dans les 3 semaines qui suivent, significativement, le groupe à qui on a annoncé un examen surprise fait beaucoup plus d'épisodes viraux. Et donc on le sait ça, le stress génère une décharge noradrénergique et puis de notre surrénalienne en fait, de l'ensemble de notre surrénal, et épuise nos capacités à répondre au stress, épuise nos capacités à faire face à la vie quotidienne et à tout ce qui nous arrive. Pensez simplement à quand vous faites agresser dans la rue, vous mettez 3-4 jours à vous en remettre, quoi, simplement à pouvoir juste reprendre pied pendant des heures et des heures, vous allez y repenser, qu'est-ce que j'aurais dû faire, etc. Imaginez que la télévision aujourd'hui et l'ensemble des news que vous écoutez sur les réseaux sociaux passent son temps finalement à vous mettre dans cette situation d'agression et de stress. Et là, j'entends par là aussi les gens qui seraient fascinés par le complot, qui seraient fascinés par les choses négatives et sur lesquelles ils n'auraient aucune prise. Ben, je crois qu'il faut revenir à ce sur quoi vous avez une prise, c'est votre propre vie, votre propre niveau de stress, d'humour, de relation, votre qualité nutritionnelle. Il y a un très bel exemple pour illustrer ce que tu dis, Louis, c'est les gens qui font de l'herpès. Les gens savent très bien que quand ils ont un choc émotionnel, derrière, ils vont faire un herpès labial parce que le système immunitaire a chuté et il a laissé repartir, se réveiller le virus. C'est un exemple que tout le monde connaît. Je dis ça parce que quelquefois, on dit « Oh là là, c'est quoi ça? C'est un peu hurluberlu, faire rentrer le stress. » Ben si, voilà, c'est un très très bon exemple
de cet effet du stress sur notre immunité. Et c'est immédiat, c'est dans les 3 jours, les gens qui font de l'herpès savent ça très bien. Oui. Ça a été popularisé en fait aux États-Unis d'abord, la notion de méditation pleine conscience, des choses comme ça, et des cliniques du stress qui se sont ouvertes. Alors nous, en France, ça nous paraît très, très lointain, en fait. On a une espèce de vision un petit peu scientiste sur ces choses-là. Mais savoir qu'aux États-Unis, dans de nombreux pays dans le monde, en fait, ça fait partie des domaines de recherche passionnants en psychologie et dans les ce qu'on appelle dans l'ensemble les TCC ou thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire essayer de voir comment son comportement peut induire quelque chose de positif, quoi. Et il y a un virage à un moment dans l'histoire de la psychiatrie internationale, c'est qu'à un moment on s'intéresse aux maladies et aux facteurs de risque des maladies, puis à un autre moment on s'intéresse aux facteurs de risque d'être en bonne santé et d'aller bien. Et finalement là on s'est intéressé aux facteurs de risque d'être malade, hypertendu, obèse, diabétique, de faire une forme grave, d'être immunodéprimé, d'avoir un cancer, d'être sous traitement immunosuppresseur. Mais quand est-ce qu'on s'est intéressé aux facteurs de risque de bien traverser cette épreuve? Or l'immense majorité des gens traversent bien cette épreuve. Il serait intéressant de savoir quelles étaient leurs ressources, parce que pour le moment, on en parlait de quelques-unes, mais il y en a sûrement d'autres. Et pour nous, une qui est très importante, c'est l'humour. On aimerait beaucoup avoir un nouveau Coluche et des choses comme ça. Oui, tout à fait. L'humour, c'est quelque chose de très, très important. Et on voit énormément de gens dans nos consultations. Je pense qu'on passe peut-être la moitié du temps à rassurer des gens qui arrivent, qui sont sidérés, qui ont très peur. Et un petit peu à la fois, ils se détendent, ils réalisent que ce qu'ils vivent est un petit peu différent et qu'on peut voir les choses autrement. Et c'est un peu notre travail, ce que nous faisons ce soir depuis que le CSI a été créé. Et c'est vrai que l'humour est très important. J'aime beaucoup toutes ces plaisanteries qui circulent aujourd'hui et qui montrent aussi que la créativité humaine, la capacité imaginative est là. Et je trouve formidable de voir en cette période d'épidémie, en cette période de menace où on attaque les gens, comment l'humour est là. On pleure de ne plus avoir Coluche qui nous aurait sorti des blagues extraordinaires. Et effectivement, on peut se relayer les plaisanteries de façon à regarder ce qui arrive avec un petit peu de recul. Et on en a vraiment besoin pour sortir de cette peur. Effectivement, de bonnes pensées, de bonnes idées et puis beaucoup d'humour aussi. Et puis l'humour, ça fait fonctionner la rate, ça fait fonctionner le système immunitaire, vous créez des globules blancs, c'est fantastique. Ton micro, Vincent. Ton micro. Oui, je vais faire un peu d'humour, comme je disais, pour la suite, en disant qu'on a sucré le sport aux diabétiques, et ça, il n'y a rien de plus grave, effectivement, que de faire ça. Et ce qui va me permettre, effectivement, parce que je suis diabétique, donc voilà, moi, on m'a fermé ma piscine, on m'a fermé ma salle de sport, et je peux vous dire que j'ai un peu la rage quand même, parce que j'ai vu augmenter, effectivement, mes taux de sucre, et j'ai dû augmenter mes taux d'insuline, ce genre de choses. Et j'aurais bien aimé, le sport, ça fait baisser d'un point les hémoglobines glycées, donc c'est extrêmement important. Et on ne sucre pas le sport diabétique, c'est un crime très grave. Donc, je vais passer maintenant la parole à Philippe de Charnoz qui va nous parler d'un retour d'information sur les masques et les vaccins et qui va nous parler du 15 qui est effectivement un acteur oublié de cette crise. Voilà, je pense que vous voyez mon écran, peut-être. Oui, c'est bon. Très bien. Mais écoutez, oui, ce centre 15, ce fameux centre 15, on nous a dit d'appeler dès que vous avez suspicion de Covid, et surtout même appeler votre médecin traitant, mais surtout ne plus aller le voir, ce qui a saturé complètement les lignes téléphoniques. Et peut-être que ça joue en partie dans les défauts de soins, c'est qu'il y a des personnes qui n'arrivent plus à joindre le 15 ou qui ont joint le 15, mais de façon trop tardive, avec un délai d'attente et surtout, et donc du coup, ont peut-être aggravé leur état pathologique. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est un peu ces retours d'informations qu'on pourrait avoir par cet immense réseau, ce centre 15, hein, qui existe dans chaque département français et qui concerne des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'appels et même des millions d'appels sur une année, et qu'on pourrait considérer comme un acteur oublié quand on pourrait éventuellement faire une retour d'informations sur d'éventuelles pathologies dues au masque, d'éventuelles pathologies qui arriveraient chez les personnes vaccinées et d'éventuelles pathologies ou gains
concernant certains traitements. Donc moi, je suis médecin régulateur au centre 15 de l'île de La Réunion et je suis par ailleurs un ancien expert de la Haute Autorité de Santé, évidemment sans conflit d'intérêt. Alors cette balance bénéfice-risque, c'est finalement cette réponse qu'on doit avoir, que doit avoir tout médecin régulateur à un appelant qu'on ne connaît pas. L'appelant, on ne connaît pas, on doit donc essayer de le connaître en 2-3 minutes, cette balance bénéfice-risque en fonction de ce qu'il va nous dire. Et donc, alors c'est peut-être pas mon écran parce qu'il faudrait la mettre la diapo suivante. Je n'arrive pas à... hop. Voilà, je pense que c'est mieux. Cette balance bénéfice-risque, et puis la règle des trois, alors on la cite en hypnose, hein, la règle des trois, c'est observer, mais moi je proposerais une autre règle, en fait, chez le régulateur, c'est la règle des trois du médecin régulateur, écouter, noter, transmettre, écouter évidemment l'appelant, noter pour savoir ce qu'il a et transmettre. Alors quand il y a une urgence, c'est pour trouver un effecteur de terrain qui peut être un SMUR, ou un médecin de terrain, ou finalement simplement un conseil, mais ça pourrait être aussi écouter, noter, transmettre eh ben, les éventuels effets indésirables, pour peu qu'on s'y intéresse, concernant les malaises chez l'enfant, qui seront peut-être dus à un port de masque prolongé, ou certaines pathologies qui arrivent après un vaccin, ou voir l'effet peut-être délétère d'une molécule qu'on prescrit, l'argemanu, dans tous les centres 15, qui s'appelle le paracétamol. Et donc, on regarde, Et toujours cette balance bénéfice-risque. Et pour revenir un petit peu à la science, qui devrait être, alors elle est pour beaucoup rigoureuse, c'est ce qu'analysent régulièrement les experts du Conseil scientifique indépendant non gouvernemental. Elle doit être factuelle et de terrain, ça aussi analysée par nos experts. Et pourquoi pas, elle peut aboutir sur des préconisations, mais qui elles aussi doivent être rigoureuses, factuelles et de terrain. Alors, nous avions le plaisir d'entendre le magnifique exposé d'Hélène Banoun le jeudi 15 février, où en était l'épidémie de Covid-19. Le problème, c'est qu'elle a eu le malheur de se baser sur le réseau Sentinel, peut-être pour donner des chiffres qui n'étaient pas forcément ceux qui nous étaient présentés de façon officielle. Vous savez tous que sa vidéo a été censurée. Et donc, voilà, c'est une petite allusion. Et donc, il faut trouver d'autres acteurs. Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir des retours d'informations dans un centre 15, par exemple, ce sont concernant les ports du masque. Alors, par exemple, quand vous recevez en tant que médecin un petit mot d'une maman, d'un enfant de 6 ans scolarisé, et puis cet enfant qui refuse catégoriquement de porter le masque, ça l'empêche de respirer. Un enfant qui dit « Maman, je n'arrive pas à respirer », je ne pense pas que ce soit forcément un complotiste, c'est parce que réellement, ça le gêne, pour peu qu'il ait une pathologie sous-jacente qui peuvent être connues ou non connues. Et on s'aperçoit qu'il y a des enseignants qui font un petit peu de zèle, il n'a pas le droit de baisser le masque sous son nez, ni en classe, ni à la récré. S'il veut respirer, il doit lever la main et demander l'autorisation de sortir un instant respirer. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas des inventions, c'est de la réalité, puisque ça nous est retourné. Et à la fin de la journée, ben, cet enfant peut avoir des céphalées, des maux de tête et des nausées, c'est-à-dire des envies de vomir. Alors, plus intéressant, on va faire la mesure, et ça a été fait par des parents, sur des conditions de haute chaleur, 35 degrés, sans climatisation, sans ventilateur, puisque là aussi, il y a des enseignants zélés qui interdisent de mettre le ventilateur en marche dans les classes. Pour un garçon de 9 ans, 7 mois, qu'est-ce qui s'est passé avant le port du masque et puis 40 minutes après le port du masque, donc à domicile, mais dans les conditions à peu près de l'école, où je vous rappelle que c'est quand même pendant 6 heures. Alors, on a parlé de saturométrie tout à l'heure, un petit appareil qui ne coûte pas cher, hein, une dizaine, 15 euros, à mettre sur le doigt et qui donne, bon, ce n'est pas très très fiable, mais disons qu'il donne une idée de la saturation en oxygène, c'est le chiffre du haut, le 99, en bas c'est les pulsations, 99, donc c'est normal. Avant le port du masque. Qu'est-ce qui s'est passé après le port du masque? Donc, Louis Fouché, réanimateur, à mon avis, devrait tomber raide avec des taux de 85%. Donc, à moins d'avoir un insuffisant respiratoire à domicile, je ne vois pas bien comment on peut fausser ce chiffre. C'est vrai que ce n'est pas forcément très, très fiable, mais disons que ça a quand même été testé. Ça au moins susciterait l'intérêt de continuer certaines études. Études sur un cas, aucune valeur, vous allez me dire, et vous auriez raison. Alors, autre cas, par exemple, ça c'est une analyse,
un patient, enfin un jeune enfant, des adolescents, qui le 3 mars, donc c'est assez récent, la maman qui reçoit un appel du collège, il fait un malaise, il est inconscient, et finalement, au bout d'un certain temps, il décide de contacter le 15. Quand elle arrive, il est complètement inerte, je ne pense pas qu'il soit complètement inconscient, puisque là, ça serait gravissime, mais d'après la maman, complètement inerte, et puis elle apprend que il n'est pas à l'infirmerie, parce qu'un autre enfant, qui a déjà pris la place, en fait, qui a fait le même genre de malaise. Voilà, à 11h50, donc 2 heures après, d'après la maman, il ne se réveillait toujours pas. Il est donc transféré à l'hôpital par voie ambulance non médicalisée et elle se réveillerait donc 3 heures après. Voilà, et le bilan de l'hôpital dit finalement, il n'y a rien, il n'y avait pas d'antécédents, pas d'intoxication, pas alcoolisé, pas drogué, etc. Et dans le bilan de l'hôpital que j'ai récupéré, il n'y avait évidemment aucune cause et donc un gros point d'interrogation. Et si ce n'était pas ce masque obligatoire, je vous rappelle, cet horrible masque dont on a enlevé les yeux, eh bien, cet horrible masque, eh bien, donc, il y a des collectifs de parents, chez nous et ailleurs, un peu partout, qui ont essayé de mesurer ces effets indésirables, de mesurer et de témoigner l'effet, qui soit très factuel. Donc, ce sont des collectifs, ils ont été voir les rectorats, etc. Voilà, moi, je vous invite à, quand vous voyez ces affiches, à mettre les petits yeux, là, noirs, moi, ça me fait plaisir, parce que franchement, ce masque sans visage, sans expression, sans sourire, voilà, c'est pas mal de, quand vous verrez des affiches partout où vous allez vous balader, de rajouter ces petits yeux. Et ce registre des enfants, de ces collectifs, ici, mais aussi ailleurs, eh ben, ils ont publié, il n'y a pas longtemps, sur le site Enfance et Liberté, avec des résultats d'oxymétrie, et puis voilà le lien constaté par un huissier. Alors, l'objet n'est pas de détailler cette étude. L'objet, c'est de voir ce qu'on peut faire au niveau d'un centre 15. Et pourquoi pas aussi au niveau des vaccins, des vaccins anti-Covid à H plus quelques heures ou J jour plus quelques jours. Eh bien, des internautes nous avaient dit, Gwenaël, c'était le 15 avril 2021, donc il n'y a pas très longtemps, mon grand-père est négatif, il s'est fait vacciner contre la Covid. 2 jours après, il est dans le coma et il meurt. Bon, voilà. Évidemment, étude sur un cas, aucune valeur, mais ça vaut peut-être le coup de s'y intéresser d'un peu plus près. Il y a un autre, Alexandre, qui nous disait que ma tante qui était vaccinée, eh ben, elle s'est chopée le Covid. Alors voilà, est-ce que c'est vraiment très fiable? Tout ça pour vous dire qu'il y a une véritable inquiétude et que cette inquiétude pourrait être transformée en chiffres, peut-être, dans ces centres 15. Pourquoi pas aussi nous considérant les traitements? Hydroxychloroquine, ivermectine, on pourrait les tester, le remdesivir, pourquoi pas, et le doliprane. À La Réunion, en 2006, il y a eu une grosse épidémie de chikungunya avec énormément d'hépatites médicamenteuses puisque le paracétamol abîme le foie avec toutes ces conséquences qu'il peut y avoir. Alors, des preuves, c'est bien beau ça, mais où est-ce qu'on va les trouver ces preuves? Eh ben, il faut écouter, interroger, noter, voilà, avoir une certaine ouverture d'esprit, parce que sinon, si on ne veut pas trouver, on ne cherche pas, évidemment, il faut un petit peu de temps, et puis donc avoir un retour d'information et de suivi. Et essayer de, alors ça ne coûte pas cher, et puis essayer de comprendre en mesurant, et ça, on fait appel aux statisticiens, aux mathématiciens, pour mesurer, calculer et prouver ou pas le bénéfice d'un traitement ou les effets indésirables d'un masque, par exemple, ou d'un vaccin. Il faut une population suffisante et vous imaginez bien que le centre 15, eh ben, c'est plus que suffisant puisque c'est des millions d'appels chaque année. Il faut des indicateurs à peu près fiables quand on s'entend sur les mots parce que tout le monde n'utilise pas forcément les mêmes mots dans le même sens. Il y aura forcément des biais, mais on peut imaginer qu'ils s'annulent tous puisque c'est toute la population et on a besoin aussi donc des informaticiens pour faire une analyse statistique. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut peut-être le coup. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Commencer à avoir un début de preuve. Eh ben, ce sont dans les fameux CERA, c'est-à-dire les centres de régulation et de régulation des appels, plus communément appelés les centres 15 ou le numéro européen, le 112. Voilà, c'est dans une salle de régulation et dans cette salle de régulation, avec quelques ordinateurs, vous avez des mines, une mine d'or d'informations en live et sans exclusion de la population, qu'elle soit favorisée ou défavorisée, de la ville, des champs, etc., des villages. Vous avez l'ensemble de la population. Vous retrouvez ça devant des ordinateurs. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Voilà comment ça se passe quand vous appelez le centre 15. Vous tombez sur une PARM, maintenant on appelle ça les armes auxiliaires de régulation médicale, et qui va transmettre au médecin régulateur cette personne, Georges en l'occurrence, 58 ans. J'ai anonymisé avec des belles vagues, vous voyez, ça vous donne envie de venir sous les tropiques parfois. Voilà, et ce monsieur a eu un vaccin hier, il a des douleurs au bras, il demande la conduite à tenir. Voilà, alors donc le médecin régulateur va noter ce qui s'est passé. Et le problème, c'est qu'après, il doit coter. Et qu'est-ce qu'il cote? Eh ben, on n'a pas le choix, en fait.
il y a, quand on regarde coronavirus, il y a un seul mot, c'est coronavirus. Que la personne soit décédée, que la personne ait des effets peut-être délétères par rapport à un masque, que cette personne ait des effets peut-être délétères par rapport à un vaccin ou un traitement, on aura toujours la même codification. Voilà. Et là, c'est un deuxième cas où cette personne, eh ben donc, a chopé le Covid, le variant sud-africain, pardon, avait de la fièvre. Et puis donc, qu'est-ce qu'on lui a dit de dire ? En l'occurrence, c'était moi. Donc voilà, comme le médecin régulateur moyen ici et ailleurs, buvez bien et isolez-vous, prenez du Doliprane, paracétamol, et puis vous nous rappelez s'il y a un problème. Voilà. Oh, qu'on aimerait rêver si on pouvait lui dire, mais prenez de l'ivermectine, par exemple, vitamine D, vitamine C, zinc. Docteur Eric Mena vous a déjà prouvé largement l'intérêt de ces molécules. Je vous envoie l'ordonnance, puisque finalement, les centres 15 ne sont ni plus ni moins des centres d'appel où on a la possibilité d'envoyer une ordonnance. On pourrait imaginer que ce soit après tirage au sort pour choisir les molécules. Vous êtes à risque? Ok, dans ce cas, on va vous rajouter un saturomètre, hein, le petit appareil qu'on met au doigt pour doser l'oxymétrie, l'oxygène dans le sang, et puis vous informer les résultats de votre médecin traitant, et puis attention, au moindre signe d'essoufflement, vous appelez le 15. Et puis on s'assure que la personne a bien compris. Donc ça, c'est le rêve qu'on pourrait faire. Et puis, si on tombe sur quelqu'un qui s'est fait vacciner avec peut-être une pathologie, comme on en a, hein, il peut y avoir des troubles de la vue, etc., agit plus deux ou trois jours après ou quelques heures après le vaccin, au moindre signe évocateur, qui peut être évocateur de thrombose cérébrale ou autre, comme les yeux, eh bien, vous nous appelez, on organisera une consultation spécialisée en urgence pour la prise en charge. Et puis, surtout, on fera une déclaration au centre de pharmacovigilance, parce que si on veut faire remonter ces effets indésirables, il faut absolument que les décideurs sachent ce qui se passe dans cette grande plateforme téléphonique que sont les centres 15 pour un suivi individualisé. Et la proposition qu'on pourrait faire à tous les SAMU de France, c'est quoi ? Plutôt que de mettre coronavirus, corovir, qui est donc un code OMS, eh bien rajouter quatre choses, coronavirus masque, coronavirus vaccin, coronavirus confinement, coronavirus traitement. Et ensuite, aux statisticiens d'étudier un petit peu les fiches. Mais voilà, c'est très chose de très, très, très simple. Et donc, à condition qu'il y ait une unité de codage, évidemment indispensable, de l'ensemble des régulateurs d'un seul centre 15, et pourquoi pas sur l'ensemble des centres 15, qu'ils soient hospitaliers, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des SMUR, ou libéraux qui sont dans des urgences moins problématiques que ce qu'on appelle de niveau 3 ou 4. Mais il faut une directive pour cela, et qui va être hiérarchique. Si cette hiérarchie pense que c'est utile et toute la problématique peut être là. On pourrait aboutir à des SMR ou même plutôt un ASMR concernant les anciens médicaments, c'est-à-dire une amélioration du service médical rendu, parce qu'on pourrait tester le paracétamol versus un autre médicament ou rien, pourquoi pas. Et puis peut-être aboutir à des recommandations, alors qu'ils pourraient pas forcément être adaptées dans le grade A, parce que même s'il y a une forte puissance, puisqu'il faudrait des effets comparatif randomisé, mais ça pourrait être un bon terrain de jeu, entre guillemets, pour nos statisticiens. Voilà, et puis cette avant-dernière diapositive, alors Vincent Pavant n'est pas trop peur, je ne vais pas faire des maths, malgré ces petits signes qui sont en haut, mais c'est toujours dans l'optique de la balance bénéfice-risque, on observe, on écoute, on transmet, on écrit, et voilà, donc on pourrait faire une étude grandeur nature dans tous les centres de 15 de France en rajoutant sur ce qu'on appelle le thésaurus, c'est-à-dire là où on code le thésaurus, quelques items donc comme coronavirus masque, vaccin, confinement, traitement. Alors, ça prendrait sur les logiciels, bon, je crois que c'est les trois plus fréquents, Exos, Centaure, AppliSAMU, dans tous les SAMU de France, on a à peu près les mêmes logiciels, ça prendrait quelques minutes, allons, disons une heure pour un informaticien, de rajouter quatre lignes. Alors, le risque, il est zéro pour le patient. Puisque rajouter une ligne informatique, ça y risque rien. Pour l'informaticien, s'il fait de lui-même, peut-être qu'il a quelques risques, mais si la hiérarchie se décide à lui dire qu'il peut le faire, peut-être qu'il ne risque rien non plus. Alors, le bénéfice, il est forcément supérieur à 1, puisque de toute façon, il y aura au moins une personne pour laquelle il sera peut-être mieux s'il ne prend pas que du paracétamol, etc. Et la balance bénéfice-risque, et ça, j'en prendrai rien aux mathématiciens, c'est que si c'est 1 sur 0, ben, on est proche de l'infini. Alors, pourquoi ne pas le faire? On a dit que ça coûtait pas très cher. En plus, il pourrait y avoir beaucoup de thèses et de mémoires qui pourraient intéresser tous nos internes, et ça serait une vraie recherche de terrain qui est observationnelle dans un premier temps, mais qui mériterait ensuite d'être détaillée. Alors, Jean-Dominique, voilà, moi, je m'adresse à toi. Tu nous as fait une magnifique réunion publique du jeudi 15 avril. Alors,
faudra que tu nous en fasses une autre, mais peut-être en changeant finalement le titre et que plutôt que d'appeler ça la corruption systémique et non pas systématique dans le domaine de la santé, pourquoi pas l'appeler finalement la soumission hiérarchique de la décision dans le domaine de la santé ? Car qui va décider de rajouter des items dans un centre 15, dans un logiciel de SAMU ? Il va falloir s'asseoir la hiérarchie avec tous les risques pour elle, de penser que, ah, effectivement, les masques sont délétères chez l'enfant, peut-être chez les autres personnes à risque. Ah oui, les vaccins peut-être posent problème. Ah oui, peut-être que le Doliprane, c'est pas forcément le top. Et que tout cela pourrait peut-être expliquer ces défauts de soins que nous a magnifiquement détaillé Emmanuel Darme. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je suis prêt à vous y répondre. Alors moi, j'ai une question. Si j'ai bien compris, chaque fois qu'un médecin signale Corovir, c'est ça, sur un appel du SAMU, ça aboutit à une notification dans le réseau OSCUR, donc le réseau de comptabilité des appels au SAMU. C'est bien non, ça? Non, je ne crois pas du tout, puisque de toute façon, le SAMU, c'est la grande, j'allais dire la grande muette, la grande oubliée, parce que je pense que justement, on pourrait faire des choses comme ça. Non, on code, mais on ne sait absolument pas. Et d'ailleurs, deux médecins régulateurs pour les mêmes patients, avec le même interrogatoire et le même cas, ne cotera certainement pas de la même façon. Quelqu'un qui va faire un malaise suite à un vaccin, il y en a qui va mettre malaise, il y en a qui va mettre inconscience, il y en a qui va mettre coronavirus. Donc, de toute façon, le thésaurus actuel dans tous les centres de régulation de centre 15 n'est absolument pas adapté pour faire des retours d'informations aux décideurs. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'on aurait une mine d'informations et on n'aurait pas forcément besoin d'études randomisées qui coûtent très cher, qui prennent du temps. Et donc voilà, ça serait simplement pour optimiser ce thésaurus. Moi, je suis très content que tu partages ça, Philippe, parce qu'en fait, c'est des éléments de réalité, des éléments de terrain, en fait. Et souvent, on est dans des chiffres, des courbes éthérées, et on se pose pas la question de d'où viennent les datas qui composent ces chiffres, qui composent ces nombres. Alors qu'en fait, c'est ça la source, c'est ça la réalité. C'est de quoi on parle, quoi. De quoi on parle réellement. Et en fait, il y a une invisibilisation progressive de tout plein de choses qui se passent dans la réalité des souffrances quotidiennes de nos concitoyens. Simplement, puisqu'elles sont plus mesurées, en fait, n'existe plus, simplement elle n'existe plus, quoi. Oui, et puis il n'y a pas plus sourd finalement que celui qui ne veut pas entendre. Et si au fond on ne veut pas savoir les problèmes, à ce que tu dis, c'est un peu effrayant, parce que quelqu'un qui fait un malaise après un vaccin, comme on en voit énormément, je ne sais pas si vous voyez dans votre pratique, mais moi je ne vois pratiquement plus de Covid. Par contre, des effets secondaires de vaccin, des morts, des infarctus, des AVC, des accidents, on en voit énormément. Et s'il n'y a pas de possibilité de les noter, c'est vraiment très compliqué. Et notre ami Vincent Reliquet faisait la semaine dernière une excellente conférence, et où il expliquait que quand on va recueillir les effets secondaires d'un vaccin, on en tient une certaine quantité, et que quand on attend plutôt qu'elles arrivent passivement, on en a une certaine quantité, et quand on le fait activement, on en a entre 20 et 400 fois plus. Donc effectivement, Philippe, quand les informations arrivent et qu'on ne les notifie pas, ben, on a une perte d'informations. Mais j'ai un peu, sans faire de mauvais esprit, j'ai un peu envie de dire, oui, mais effectivement, il n'y a pas plus sûr que celui qui ne veut pas entendre. Et là, c'est du concret, comme dit Louis, et ce serait important d'avoir ces informations, parce que on a une véritable vague d'effets secondaires de vaccination qui est très impressionnante. On en entend parler tous les jours, et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait mettre en évidence. Alors, il y a ces effets secondaires autour de l'injection immunogène. Je vous invite à employer cette expression pour éviter que notre chaîne strike chaque fois qu'on va dire quelque chose. Vous savez aussi qu'il y a un enjeu très important autour de YouTube, qui est la problématique des enfants et de la couverture qu'on met sur leur visage. Que dès qu'on parle de ça, en fait, on a un problème sur Internet et c'est censuré. Mais effectivement, il y a vraiment une difficulté à regarder en face ce qui se passe, et y compris pour les patients. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour les soignants eux-mêmes, c'est que le patient qui fait quelque chose 10 jours après son injection immunogène ne fait pas de lien, en fait, et ne veut pas en faire. Donc, et ensuite, il y a la réalité de la difficulté qu'il y a à attribuer cet effet secondaire à l'injection immunogène. Parce que quelqu'un qui fait un accident vasculaire cérébral, qui a les artères très encrassées, là, il aurait pu le faire à n'importe quel moment. C'est un des risques qu'il peut avoir. Et ça veut dire qu'il faut réussir à comparer une cohorte de gens qui ont reçu l'injection immunogène versus une cohorte de gens qui ne l'ont pas reçu, et voir s'il y a une augmentation de l'incidence réellement. Mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie, il faut des gens qui y travaillent. Alors voilà, ça c'est le premier point. Tu as parlé d'autre chose qui est intéressant, c'est de l'organisation des filières de soins.
ce qu'on appelle aussi les parcours patients dans le jargon technique, en fait, c'est d'essayer d'avoir une prise en charge optimale à toutes les étapes. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de travail en silo des différents agents du soin. Les réanimations travaillent sur les réanimations, optimisent la réanimation, les traitements de réanimation. Mais travailler sur l'aval, comment les gens y sortent, travailler sur l'amont, comment les gens y rentrent en réanimation et qu'est-ce qui se passe en amont. Bon, bah voilà. Les gens qui travaillent en service Covid, qui reçoivent des Covid, bah là, ils ont fait des hôpitaux de jour pour faire du Régeneron, pour faire du Banvalivumab, etc. Ils ont mis en place des choses, mais dans leur silo, en fait. Et jamais ils se disent, mais qu'est-ce qui pourrait se passer à la maison? Et donc, chacun travaille à son tout petit espace. Il n'y a pas d'idée que peut-être si je travaillais vraiment au tout début, ça pourrait améliorer ce qui se passe à la fin. Alors ça, c'est vraiment du bon sens. Si vous avez un arrêt cardiaque dans l'hôpital, oui, vous pouvez optimiser la gestion de l'arrêt cardiaque. Mais vous pouvez vous poser la question, pourquoi y a-t-il eu un arrêt cardiaque? Et ça, ça vous amène à dire, mais s'il se passe un arrêt cardiaque, en fait, c'est un défaut de qualité des soins en amont. Donc, si quelqu'un arrive en réanimation, c'est un défaut de qualité des soins en amont. Et donc, ça veut dire que vous devez travailler sur l'amont. On a essayé de travailler sur l'amont avec la Haute Autorité de Santé, avec les agences régionales de santé. Et donc, il y a eu des propositions de protocoles et de parcours patients pour que les gens soient optimum, pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait une infirmière coordinatrice, pour que on monitore la saturation, pour qu'il y ait un médecin référent coordinateur. Parce que ça, on sait le faire. On le fait en post-op. Par exemple, après des opérations, on fait des filières de soins où les gens ils rentrent très très vite à la maison avec un coup de pied au cul en disant voilà, vous maintenant vous faites de la réhabilitation améliorée et vous allez voir, ça va bien se passer. Mais on va vous suivre de près. On vous a même fait une petite appli où on va voir si vous avez des symptômes, votre infirmière va le signaler, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre et tout va bien se passer. Donc on sait le faire, mais on l'a pas fait. Et or, il y a un protocole HAS qui a été fait pour la prise en charge à domicile en ambulatoire. Il a jamais été utilisé. Il y a un protocole de prise en charge ambulatoire qui a été fait extrêmement bien par l'IHU et qui a été proposé dans une vidéo qui a été montrée par le professeur Mathieu Million. Et ils l'ont mis en place, eux, ils l'ont fait pour de bon, c'est-à-dire qu'ils ont fait un hôpital de jour, ils ont consulté les gens, ils ont fait le test, ils ont regardé les facteurs de risque, etc. Ils ont prescrit des traitements, ils les ont fait revenir à la maison avec un suivi, un appel à J1, etc. Et je peux vous dire que juste le fait de faire ça, de prendre soin des gens, même indépendamment de quelconque molécule que vous faites, en fait, c'est déjà thérapeutique. Les gens, ils sortaient de l'IHU, enfin, ils rentraient dans l'IHU, ils étaient verdâtres, tout gris, j'ai l'impression qu'ils allaient mourir, ils avaient regardé BFM. Ils sortaient, ils avaient eu aucun traitement, juste quelqu'un s'était occupé d'eux. Et ben, ils ressortaient debout, droit comme des i, et fiers comme Artaban, en disant, bon, bah, ouais, je vais survivre, bien sûr. Et ils survivent. Donc, on a de la chance, là, juste une dernière chose, après, je vous lâche la parole. Mais ça fait que 6 mois qu'on le dit, mais la Haute Autorité de Santé a dit, la Direction Générale de la Santé même, nous a fait passer une circulaire il y a 10 jours en disant, ah oui, effectivement, monitorer la saturation pulsatile, enfin, l'oxymétrie de pouls, hein, donc le petit machin au bout du doigt pour avoir la quantité d'oxygène dans le sang, c'est utile et intéressant, oui, il faudrait quand même le faire, on vous donne des recommandations pour le faire. Donc, tout arrive, patient, quoi, hein, tout arrive. Oui, bien, bien. Mais tu as tout à fait raison. Bien. Vincent va nous quitter, donc je reprends la présentation. Jean-Dominique, est-ce que tu peux nous faire un retour des questions et des remarques des gens qui nous écoutent, s'il te plaît? Très volontiers. Beaucoup de réactions autour du masque, évidemment. Quelle tristesse de voir ce qu'on fait subir aux personnes âgées et aux enfants. Et que dire des nourrissons qui ont eu pour première image de leurs parents des gens masqués? Ça, je dois dire que c'est aussi un peu ma limite émotionnelle. Je peux parler de plein de choses, mais quand on arrive là, je trouve que vraiment on tombe dans la barbarie. Un témoignage aujourd'hui en classe, une élève s'est plein de mal de tête. La maîtresse a proposé de téléphoner à ses parents sans même lui proposer d'enlever son masque. Quand allons-nous pouvoir arrêter la maltraitance institutionnalisée de nos enfants dans le monde? Je crois que c'est une très, très vraie question civilisationnelle, d'éthique et d'humanité. Et puis alors, beaucoup de réactions aussi dans le bon sens. Regardez, danser encore, chanter et danser dans le monde entier. La joie exprimée par tous les visages est communicative et permet de se connecter entre êtres humains. Recommandation du rire, yoga du rire, nature, culture, musique, poésie. Regardez des films comme Les Visiteurs ou Fantomas. Le ministre de la Santé suisse ressemble beaucoup à Fantomas, donc moi j'y pense à chaque fois que je le vois. Je crois même que c'est Fantomas, en fait, qui a mis un masque. Quelqu'un qui dit « J'observe les abeilles butiner les fleurs de consoude, c'est passionnant à voir », je n'en doute pas. Quelques remarques disant « C'est vrai qu'on n'a plus Coluche, mais on a Blanche Gardin », je suis d'accord, Laurent Gérard aussi. Et puis, quelques remarques, la pression sociale, professionnelle et familiale est très forte sur les masques et les vaccins. Et puis alors, une question pour toi, Philippe, le zinc serait-il utile aussi pour l'épidémie de dengue qui sévit à La Réunion?
Le micro. Oui, donc je n'affirmerai jamais que ce soit efficace ou pas, puisque je n'en suis pas spécialiste. La dengue, effectivement, est chez nous, comment c'est dramatique finalement, parce que ça touche tout le monde, ça tue, et pour le coup, il n'y a pas de traitement. Mais alors, ces gens-là, on les hospitalise très vite, étonnamment, et puis on ne les laisse pas à domicile. Oui, alors, donc, le zinc, peut-être qu'Éric pourra répondre, mais de toute façon, le zinc associé à d'autres choses ne fait que renforcer l'immunité. Et comme, au même titre que le chikungunya, qui avait atteint 34% de la population réunionnaise, n'importe qui ne fait pas des symptômes par le chikungunya, par le zika ou par la dengue. Tout dépend de sa propre immunité. Et cette propre immunité, tu l'as bien dit, Eric, elle dépend de son alimentation, de ses activités sportives, de son hygiène de vie et pourquoi pas de l'humour et de tout ce qui peut être associé avec. Oui, juste pour rebondir, j'ai aucune expérience de la dengue parce que dans la région toulousaine, on en voit assez peu finalement. Mais j'ai jamais vu d'études sur zinc et dengue, mais de toute façon, toutes les maladies infectieuses nécessitent qu'on ait un système immunitaire, des défenses, donc ce qu'on appelle un terrain qui soit plus solide. Voilà, il n'y a pas de secret. Comme plusieurs l'ont dit, tu viens de le dire, Philippe, il y a des gens qui font des symptômes plus graves, quelle que soit la maladie. C'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour n'importe quoi, et là, pour la dengue aussi, ou pour le chikungunya, et d'autres qui font donc des formes graves, et d'autres qui font des formes bénignes. Pourquoi ? Parce que, alors, on va dire, on ne sait pas, c'est la génétique. Oui, mais ce n'est pas que la génétique, parce que moi, depuis le temps que je donne des traitements préventifs, et beaucoup de médecins font comme moi, on a quand même très, très peu de malades l'hiver, et les gens nous le disent systématiquement, « Ah, docteur, depuis que je prends votre traitement préventif, je suis beaucoup moins malade, ou je ne suis plus du tout malade. » Combien de patients me disent, « Ah, moi, depuis que je prends votre traitement, ça y est, je ne suis plus jamais malade l'hiver. » Donc, ça marche, voilà, on le sait. Et puis, on a des études, on n'a pas d'études qui regroupent les 5 éléments que je vous ai donnés, mais on a déjà des études qui, de façon individuelle, pour chaque élément. Alors, on imagine bien que mettre les 5 éléments en même temps, ça ne peut que se potentialiser. Donc, c'est des choses simples, c'est ça. Comme tout à l'heure quelqu'un dit, c'est vraiment du bon sens. Après, chez certains, ça marchera mieux, chez certains, ça marchera moins bien. C'est le principe de la médecine, ça est du corps humain. Merci. Quelques autres questions, notamment autour de la notion de défaut de soins. Est-ce qu'il y a une définition du défaut de soins ? Est-ce que ça correspondrait à non-assistance à personne en danger ? Est-ce qu'il y aurait éventuellement une qualification judiciaire ? Je ne sais pas s'il y a des juristes dans l'équipe, mais je trouve que c'est intéressante. Louis, tu veux répondre ? Je vais répondre à côté, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question judiciaire. Ça me fait peur, en plus, quoi. Dès qu'on parle de procès, tout ça, c'est compliqué. Hein. Je suis anesthésiste, hein, donc ma prime d'assurance est assez lourde, je ne vous le cache pas. Je pense qu'il y a une question à se poser autour des médecins qui ne soignent pas. C'est une vraie question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, en fait ? Et comment on peut y faire quelque chose ? Parce que c'est toute la question qu'on se pose, nous, en fait. Hein, là, le conseil scientifique, InfoCovid, les différents groupes, c'est comment on peut faire changer quelqu'un d'avis ou l'amener juste à ouvrir une porte, à essayer d'envisager des possibles. Et on se rend compte qu'on a beaucoup de mal à le faire. Et qu'il y a vraiment une doxa, on en a parlé la semaine dernière, une propagande même, en fait, pour tenir cette doxa, et qui est assénée vraiment tous les jours. Et il faut que vous compreniez que les médecins reçoivent plus d'une quinzaine de mails par jour, à peu près. Moi, en tout cas, c'est à peu près le topo de la Direction Générale de la Santé, de la Haute Autorité de Santé, du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, du Conseil National de l'Ordre des Médecins, etc., des ARS, de l'hôpital lui-même, des pop-up sur mon ordinateur pour me dire ce que je dois faire. Et donc, on est vraiment parasité, le cerveau est parasité. Et les gens qui ont confiance dans ça, ils ont du mal à ouvrir d'autres portes, déjà parce que leur temps de cerveau disponible est occupé. Et qu'en plus, s'il y a une information contradictoire, on les met en dissonance cognitive. Et la dissonance cognitive va vous faire choisir finalement l'option la plus facile à tenir. Celle qui vous met le moins inconfortable, qui ne va pas vous mettre au défi de devoir résister à tout craint. Donc, si vous prenez une institutrice à qui vous dites d'un côté « tu fais du mal à des enfants depuis un an », versus « non, c'est bien, il faut respecter, tout le monde fait ça, c'est important pour prévenir l'épidémie », qu'est-ce qui va la mettre la moins inconfortable ? C'est de respecter cette narration-là, et donc vous n'arriverez probablement pas à la faire sortir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un des enjeux pour ceux qui nous écoutent, c'est probablement même pas d'essayer de convaincre qui que ce soit, ni de les faire changer d'avis. C'est essayer de souffler sur les braises de ceux qui ont un doute, de les rassembler et de dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Ok, on va travailler sur l'information, on va essayer de parler aux gens, on va faire des actions judiciaires pour effectivement que justice soit rendue en son temps. Très bien, il faut le faire, il faut rien lâcher de ça.
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais là, tout de suite, qu'est-ce qui est important pour vous? Si c'est de prendre soin de votre enfant, sortez-le de cette école si la discussion est impossible. C'est tout. Et faites une école alternative avec d'autres parents qui sont d'accord pour le faire autrement. Si vos ados sont malades et pas bien, sortez-les, faites-les sortir de l'école et dites, faites votre école à vous, vous allez voir, vous allez mieux bosser même, vous aurez un meilleur bac, vous serez moins en tension, vous pourrez voir quand même vos amis autrement. Si c'est un médecin qui veut pas discuter avec vous de la prescription d'un traitement alors que vous êtes malade, là c'est encore plus facile, changez de médecin et vous allez en trouver. Il y en a plein des médecins qui ont un doute. Juste dans InfoCovid, il y en a plus de 1800. Donc, et là, je parle que d'une association, hein, enfin d'un collectif. Il y a tout plein d'autres collectifs, quoi. Renseignez-vous, coordonnez-vous, organisez-vous et faites ce qu'il faut pour survenir à vos besoins immédiats, avant même de vouloir faire changer d'avis quelqu'un. Parce que vous considérez qu'ils sont presque malades, en fait. Il va falloir les accompagner dans leur guérison. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Oui. Alors, Jean-Dominique, puisque nous approchons de la fin, est-ce que tu as encore d'autres questions importantes que tu voudrais nous soumettre avant qu'on fasse un tour de conclusion ? Oui, je suis pas sûr qu'on y apportera des réponses ce soir, mais une qui demande, pourrez-vous évaluer la soi-disant étude qui démontrerait l'efficacité du vaccin Pfizer pour limiter la contagion ? Je pense que c'est l'étude qui est sortie dans le Lancet. Alors, elle vient de sortir, moi j'ai commencé à la parcourir. La première chose que je regarde, c'est les liens d'intérêt. Il y a 8 auteurs sur 16 qui sont actionnaires de Pfizer. Ça ne veut pas dire qu'elle est mal faite. Il ne faut pas sauter aux conclusions, mais enfin, ça peut peut-être éventuellement orienter. Et puis, rappeler que celle qui était parue de Pollack dans le New England Journal of Medicine, alors elle, je l'avais débunkée en profondeur, le protocole a été changé en cours de route pour pouvoir obtenir le fameux 95% d'efficacité. Si on restait dans le protocole de départ, on était à 70. Et comme Doshi l'a montré dans le BMJ, dès lors qu'il y avait des patients dont on ne savait pas s'ils étaient positifs ou pas, on est en fait à un taux beaucoup plus faible. Et c'est impressionnant de voir à quel point la doxa, mais y compris des professeurs de médecine soi-disant illustres, reste braquée sur ce 95%, alors qu'on sait que ce n'est pas 95%. Et puis évidemment, une question qui revient beaucoup, parce qu'on a commencé à entendre des choses à ce sujet, y a-t-il un risque d'être contaminé par une personne récemment vaccinée ? Mais je crois qu'il faut prendre le temps vraiment d'avoir du recul, étudier ça soigneusement et puis tirer des conclusions une fois qu'on aura vraiment bien épuisé cette matière. Eric, je voulais réagir. Je voulais réagir sur ce qu'a dit Louis, parce que finalement, il y a un dénominateur commun. Pourquoi les médecins ne prescrivent pas, ne veulent pas prescrire? Pourquoi les enseignants imposent le masque? Ben, c'est la soumission à la hiérarchie, la soumission à l'autorité. Et que quand on sait qu'il y a énormément de conseils de l'ordre qui attaquent les médecins parce qu'ils prescrivent de la vitamine D, alors qu'elle est recommandée par l'Académie de médecine, la vitamine D, et on a le cas, nous, ici, à La Réunion, des médecins qui sont aventurés peut-être à prescrire de l'ivermectine ou de l'hydroxychloroquine dans son temps. Donc, évidemment, ça n'incite pas les médecins à franchir la ligne rouge. Et cette soumission à l'autorité, elle est valable aussi pour les directeurs d'établissement, pour les directeurs d'ARS, pour les préfets. Tout ça, finalement, toute la problématique, c'était la conclusion, et c'est pour ça que Jean-Dominique, peut-être qu'un jour tu nous feras un topo là-dessus, comment lutter contre cette soumission à l'autorité, contre cette soumission à la hiérarchie. C'est clair qu'on a depuis 30 ans sélectionné dans les études de médecine des étudiants à qui on a dit qu'il fallait absolument respecter l'évidence base médecine. On leur a dit ça régulièrement. C'est intéressant parce que quand on regarde les étudiants en médecine, on se rend compte que énormément font des dépressions, ne sont pas bien, et que 30% des étudiants en médecine quittent la médecine à la fin de leurs études. Et on se pose la question, est-ce que finalement c'était pas les plus humains, les plus sensibles? Est-ce que justement tous ces médecins-là qu'on a découragés en les obligeant à respecter des doxas absolument? Et donc aujourd'hui, il faut se dire que plus globalement, on devrait revoir la manière de former les médecins. Et on voit bien entre les vieux médecins qui avaient plus cet aspect humaniste et les nouveaux médecins qui sont obligés. On voit la souffrance des étudiants obligés de respecter et ils ne peuvent absolument rien dire d'autre. Et quand dans les études de médecine en particulier, si on ne dit pas dans les questions d'examen que l'homéopathie est dangereuse, eh bien on n'a pas son examen. Vous voyez, on est dans cet ordre-là. Alors, je voudrais que chacun puisse prendre la parole pour faire une conclusion, puisque nous approchons de la fin de notre émission. Alors, qui veut commencer à faire sa conclusion?
Je vais répondre et conclure en même temps, très très rapidement. Je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur comment on peut faire pour les masques à l'école et comment les directeurs d'établissements, d'écoles, etc. pourraient faire autrement. Mais pour les médecins, en tout cas, je pense qu'on les forme suffisamment bien à lire des études. Donc, s'il vous plaît, ce serait bien qu'au lieu d'attendre les recommandations d'éventuels experts, les médecins puissent vraiment s'informer comme on le fait, parce que finalement, les études existent et je pense qu'on ne prend aucun risque à prescrire de la vitamine D, du zinc, etc. Donc, je crois qu'il faut que le médecin se libère un petit peu du carcan. Ensuite, pour rebondir sur les deux questions de Jean-Dominique, non, les gens qui se font vacciner ne sont pas plus contagieux. Ils peuvent avoir des tests PCR positifs, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont contagieux, puisqu'il y a beaucoup de faux positifs dans les PCR. Je crois qu'il il y a suffisamment de problèmes avec ces thérapies immunitaires pour ne pas en rajouter comme ça. Et sinon, pour l'étude du Lancet, alors je pense que Hélène en dira pas un mot parce qu'elle connaît ça beaucoup mieux que moi, mais je veux rappeler que dans le dossier d'AMM, c'est-à-dire le dossier que le laboratoire a donné à l'agence du médicament pour avoir une autorisation de mise sur le marché, en l'occurrence conditionnelle, il est écrit clairement que le vaccin ne protège pas de la contagiosité. C'est dit, on essaie de faire des études pour aller à l'envers, pour essayer de dire, oh là là, on a mis ça, on se fait taper dessus, les gens sont... Moi, je vais vous donner juste un seul exemple, ça sera la conclusion. J'ai un couple de patients qui se sont fait vacciner. Le monsieur, 3 semaines après, fait un problème cardiovasculaire. Y a-t-il un lien, pas un lien? On ne sait pas. Il doit être hospitalisé. Il est vacciné, sa femme est vaccinée, elle n'a pas le droit de venir le voir. À quoi sert le vaccin? Vous comprenez? C'est-à-dire que l'hôpital sait très bien que quelqu'un qui est vacciné ne doit pas aller voir un patient qui lui-même est vacciné parce que le risque n'a pas été réduit. C'est quand même incroyable. Si vous vous rendez compte, les gens se vaccinent et ils sont toujours dans le même carcan administratif. Et ce pauvre patient est tout seul à l'hôpital et sa femme ne peut même pas lui apporter ses affaires, son pyjama, etc. C'est absolument délirant. Et les gens continuent à se vacciner pensant demain être libres. Ils ne le seront pas. Ne vous vaccinez pas pour être libre. Vaccinez-vous si vous pensez que le vaccin peut vous protéger de la maladie, mais pas pour être libre. Bien, merci Eric. Qui est-ce qui veut conclure? Alors bon, on m'a interrogé sur l'étude du Lancet. Je suis désolée, je ne l'ai pas étudiée encore. Je vais m'y pencher. Voilà. J'avais juste critiqué une étude des employés de Pfizer qui voulaient montrer que le vaccin est efficace sur les variants. Et tout simplement, pour que ça marche, au lieu de prendre un virus variant avec toutes les mutations qui appartiennent à ce variant, ils avaient pris des virus, des pseudovirus évidemment fabriqués, mais avec chacun une mutation seulement. Donc voilà, c'était vraiment grossièrement faussé dès le départ, quoi. Donc je ne dis pas que cette étude de Lancet est aussi faussée, mais quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, voilà, j'aurais pas de surprise si elle était faussée. Quant à la question de savoir si les vaccinés peuvent transmettre aux non-vaccinés, alors il faut rappeler que les vaccins qui sont sur le marché en France et en Europe, ce sont des vaccins qui ne sont pas du tout, qui ne contiennent pas de virus, ni vivants, ni inactivés. Ils contiennent simplement du matériel génétique qui va faire produire aux vaccinés une toute petite partie du virus. Donc, a priori, on voit mal comment la personne qui a reçu l'injection immunogène pourrait transmettre le virus à quelqu'un d'autre, sauf si évidemment, par manque d'efficacité du vaccin, elle attrape la COVID et ensuite elle transmet la COVID à quelqu'un qu'elle côtoie. Voilà. Je peux dire pour l'instant. Après, ça peut changer. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Qui est-ce qui prend la parole pour conclure?
Alors, moi, je vais l'apprendre. Là, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le changement de définition au fil du temps. On a vu que la dernière fois, l'OMS avait changé la notion de la définition de la pandémie depuis 2010, depuis 2011, en H1N1. Et là, on vient d'apprendre il y a quelques jours que c'est justement la sensibilité des tests qui va être changée. Est-ce que c'est une fake news ou pas? Mais il semblerait que pour les personnes vaccinées, on choisisse des cycles d'amplification qui déterminent des tests positifs à 28. Et ça, on le sait, on le dit, on l'affirme depuis 14 mois. Mais pour les autres, ça reste à 40-42. Ça veut dire que le problématique des personnes qui sont vaccinées et éventuellement qui pourraient transmettre, non pas la maladie, mais transmettre le fait que la personne d'en face sera testée positive, eh bien, ça implique quoi? Ça implique dans le fameux pass sanitaire, eh bien, on ne pourra plus prendre l'avion. C'est tout. C'est clair, net, précis. Et que ça va faire augmenter les chiffres qui déterminent en fait, les couvre-feux, les confinements. Donc tout ça, il va falloir faire un jour une capsule là-dessus, le changement de nosologie des mots, la définition au fil du temps, et on ne peut plus du tout savoir de quoi on parle, d'autant que ces définitions sont souvent différentes entre des pays. Alors, à propos de ce chiffre-là, des tests, le CT, le signe d'amplification qui aurait changé, moi, j'ai pas vu exactement ça. J'ai vu juste que, en mois de décembre, l'OMS avait recommandé de bien faire attention au CT, mais sans chiffre particulier, sans limite quantitative. Et ce que j'ai vu, c'est que, on a mis en exergue une publication du CDC qui parlait d'un nombre de CT 28, mais c'était pas pour donner une PCR positive, c'était juste pour, à partir en dessous de 28, il fallait séquencer le virus. Enfin, le prélèvement pour trouver le variant ou pas dans le prélèvement. Et au-dessus de 28, c'était pas la peine de séquencer. Mais il ne disait pas, au-dessus de 28, vous rendez négatif. Voilà. Si c'est cette publication dont il s'agit. Voilà. Sinon, c'est sûr qu'en France, c'est toujours 40, le nombre de cycles qui est préconisé par l'HAS. Et je pense avoir compris que au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, ce serait plutôt 30. Voilà. Je ne sais pas si ce sont des recommandations officielles obligatoires, mais c'est ce qui est écrit sur les documents officiels. Plutôt 30 et en France 40. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Hélène. Je vous demande tous de conclure sans rebondir, s'il vous plaît, de façon à ce que nous puissions terminer dans des temps raisonnables et écoutables pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui veut conclure? Qui n'a pas encore conclu? Jean-Dominique, vas-y. Très volontiers, avec un commentaire de Fabrice qui me convient bien, faut être un mélange de punk et de bouddhiste pour combattre la soumission, comme dans le tai chi. J'ai plus tout à fait assez de cheveux pour faire un iroquois, mais dans le principe, je trouve que c'est assez juste. Moi, je vais conclure, si vous me permettez. Je vais conclure notamment sur, comme on l'a vu ce soir, il y a des alternatives au niveau des traitements. Par rapport à cette histoire de Covid. Par rapport aux enfants, il y a aussi des alternatives. Comme Louis l'a évoqué, il y a la possibilité de créer des écoles. Pourquoi pas aussi demain, ben, créer des restaurants, on va dire, plus citoyens, avec, par exemple, un autre type de monnaie que l'euro. Un autre système, en tout cas. Et je pense que le monde de demain, il sera forcément, il y aura finalement une scission finalement peut-être, et je l'espère pas, mais en tout cas entre les personnes qui voudront rester dans leur zone de confort et les personnes qui veulent autre chose. Voilà, et je vais conclure sur ça. Oui, ma petite conclusion, donc joie et bonheur, et puis continuons à chanter et à danser tous les dimanches notamment. Ouais, merci Emmanuel de parler de ça. Je pense que vraiment notre système est malade très profondément. À chaque fois, on s'étonne que les médecins finalement soient devenus complètement soumis et finalement puissent être remplacés par des robots, puisqu'ils sont dans un algorithme. La médecine pour eux n'est plus un art, mais simplement un algorithme dans lequel on incrémente des datas, en plus qui sont contradictoires, dans lequel l'algorithme est faux, les fait partir n'importe où, et ils sont plus vraiment capable pour un grand nombre d'entre eux, et notamment les plus jeunes, de critiquer ça, parce qu'ils n'ont pas forcément le background nécessaire. L'école est malade, la démocratie est malade, notre système économique est malade. Bon, bah ok, ça y est, hein, c'est à nous de guérir tout ça et de reconstruire autre chose. Donc c'est un programme extrêmement ambitieux et intéressant, qui est presque comme un défi, quoi. Pour moi, c'est assez joyeux, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi remplir leur vie. Ils se demandent un peu, quoi. Le soir, ils se disent, tiens, qu'est-ce que je ferais, quoi. Ils se demandent leur loisir, quelle chose je vais acheter, etc. Voilà, on a plus qu'à refaire des écoles, refaire une médecine différente, refaire une démocratie différente, refaire une finance différente et un système monétaire différent, refaire une science différente. Eh ben, allons-y.
Merci beaucoup, Louis, pour cette conclusion. Je voudrais citer une petite anecdote avant de conclure. C'est cette véritable épidémie de crayons qui tombe à l'école. Vous savez, les enfants qui ont du mal à respirer, ils ont compris que quand ils tombent, quand leur crayon tombe, ils peuvent se pencher, enlever leur masque une seconde pour prendre deux, trois inspirations. Donc, il y a même des enfants jeunes qui me racontent qu'en permanence, il y a trois, quatre enfants qui laissent tomber leur crayon, qui sont sous les tables. Je trouve ça très imaginatif, mais en même temps absolument terrible. Effectivement, nous allons conclure, terminer cette réunion. Nous sommes confrontés justement à un défi de la conscience. On ne sortira pas de cette prise sans une imagination, sans une vision différente du monde. Et nous espérons que ce conseil scientifique indépendant, c'est-à-dire sans aucun conflit d'intérêt, peut contribuer à vous aider à cette nouvelle vision. Donc, nous vous disons au revoir tous et à la prochaine fois. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Thank you.